Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo sur Star Citizen. Mais avant toute chose, les amis, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne YouTube. On essaye d'atteindre le palier des 1000 abonnés. On n'y est plus très loin, il nous manque une trentaine d'abonnés. Oui, une quarantaine d'abonnés. Donc je compte sur vous en tout cas pour vous abonner. Vraiment un grand, grand, grand merci à tous ceux qui le feront. Et ça me soutiendrait énormément dans tous les petits projets, le travail que je fournis sur cette chaîne YouTube. Donc un grand merci en tout cas à tous ceux qui le feront une fois plus. Vraiment, vous ne savez pas à quel point ça compte pour moi quand quelqu'un s'abonne à la chaîne YouTube. N'oubliez surtout pas que les amis aussi dans la description, il y a mon lien Twitch, quand je fais des petits lives sur Twitch, bah, n'hésitez pas à passer, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas surtout que je live aussi sur YouTube, donc je suis plus souvent même sur YouTube maintenant que sur Twitch. Tous ceux qui passent, bah, n'hésitez pas, voilà, vous êtes les bienvenus. Mais autrement, à part ça, bah, il y a le Discord de la communauté, donc je fais mes annonces de live sur le Discord de la communauté. Donc si vous voulez être un minimum au courant de ce qui se passe, ou même parfois je pourrais peut-être lâcher des petits screens sur les vidéos que je prépare ou autre, donc même demander votre avis pour faire des sondages concernant des miniatures ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à rejoindre ce Discord si vous voulez rejoindre une petite communauté sympatoche qui est en train de se créer. Secondo, le Discord de la corporation de la DG Team est ouvert, donc pas à tout le monde, est ouvert seulement aux personnes qui veulent rentrer dans une corporation sérieuse et qui a de l'ambition dans l'avenir de Star Citizen. Donc si vous êtes sérieux, si vous voulez, si vous êtes passionné du jeu de ce jeu comme nous, bah vous êtes les bienvenus. Donc que vous soyez nouveau ou ancien, ou vétéran, que vous soyez solo ou en groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous êtes motivé, bien entendu, pour faire de grandes choses dans le verse. Je dis pas que ça va commencer maintenant, mais en tout cas, on cherche des personnes qui sont sérieuses et qui veulent créer de belles choses, en tout cas pour la communauté francophone et notre communauté à nous. N'oubliez surtout pas aussi qu'il y a mon code de parrainage, les amis, pour tous les nouveaux comptes RSI qui se créent. Alors, au moment de la création, vous mettez mon petit code de parrainage et vous gagnerez 5000 LVC en plus sur toutes les mises à jour dès qu'elles viendront. Donc voilà, les amis. Donc, dans cette petite vidéo, donc c'est vraiment une petite vidéo, j'ai voulu vous la mettre parce que il y a beaucoup de personnes qui se sont. Enfin, beaucoup. Il y en a deux personnes qui sont plaints sur une certaine vidéo où on était en train de limite raqueter un mec en Caterpillar. Donc j'ai gardé ce petit bout de vidéo que vous allez voir spécialement pour montrer qu'en fait ça n'arrive pas toujours quand même. D'accord? Donc je l'ai gardé exprès. Comme vous allez voir dans la vidéo, en fait tout simplement, c'est pour remettre les choses dans son contexte. Un collègue va faire du commerce à rappel. Donc nous, on est en escorte. On est l'escorte de notre mec, hein, de notre mate, qui fait partie de notre corporation. Donc forcément, par tour, on gagne un petit bénéfice. Et en contrepartie, nous, on le protège, ce qui est normal. Mais vous allez voir, tout va pas se passer exactement comme prévu. Tout simplement parce qu'il y avait plusieurs mecs au sol. Et vous allez voir comment ça va se dérouler. Surtout, il y en a un qui était vraiment, mais vraiment très intelligent. Je vous conseille de vraiment regarder jusqu'au bout la vidéo. Vous allez voir qu'il y en a un qui a vraiment été intelligent. Et je pense qu'on peut en prendre de la graine, on va dire. Pourquoi pas. Il y a plein de petits trucs à tester comme le mec a fait là. Mais je vous le dis pas forcément, faut que ça reste secret pour que vous puissiez le découvrir vous-même dans la vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Mais voilà, c'était pour vous montrer comme quoi, si on veut faire du commerce, que ce soit sur Apple ou de l'or, il faut engager une corporation, que ce soit la nôtre, une autre ou l'un des potes en tout simplement en chasseur. Donc nous, on propose ce service sur. On le proposera surtout sur la Tempa 24 et la 4.0. Mais voilà, tout ce que ça intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à venir nous le dire. Ça nous fera du gameplay, en plus ça pourra peut-être faire une belle petite vidéo. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que vous kifferez cette vidéo. On n'oublie pas de lâcher son petit like, s'abonner, lâcher un petit commentaire, ça fera plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Plus tout le monde. Ah putain, j'espère qu'il va pas arriver parce que là il pourrait me buter là. Je vérifie un truc. Ah c'est bon, je suis dans le bon serveur. C'est moi, il est en train de bugger sa merde que classe là.
Ouais, il bug, il sautille. Ouais. Et là, il s'est vraiment mis entre toi et moi, donc j'ai plus aucun visu sur tes alentours, ni sur ce qui se passe autour du consté. Bah, le mec, il est juste derrière moi, tu vois. Ouais, mais faut, on reste immobile, on bouge pas. Qui nous ont pas vus. Ah, il a ouvert le cutlass et il part. Il s'est accroupi au milieu. Qu'est-ce qui branle? Re. Il est parti, ah, le gamin. Attends, il y a du monde là. Hein, sur on a chargé là, on va sur Cruel 5. Il est parti. Je crois qu'il cherche les corps des mecs morts. Est-ce que tu crois que je tente une infiltration à l'intérieur de son cutlass? Attends, l'autre il est en dessous de son ascenseur. Hein. Vas-y, il ouvre l'ascenseur, je le bute. Y a du monde. Ouais, les gars, venez, on va. Hop. Je l'ai buté. Yes. Bon, je suis au niveau du cutlass. Tu vois les autres arriver ou pas? Non. Ouais. Je l'ai buté et l'ascenseur est ouvert, les gars. Ah, nice. Donc, j'ai même pas de signature, moi. Après, moi, j'aimais beaucoup. Hein. Alors, attention, hop. Hop. Il y a un autre ou quoi? Ouais, je l'ai pas tué en fait. C'était allongé. Il est mort là? Non. Il est juste derrière ses pieds là-bas. Il est derrière son vaisseau. Vas-y, je prends à gauche, tu prends à droite. Tu peux. Attends, je vais lui voler son vaisseau direct, hein. C'est moi là, arrière du vaisseau. je suis mort. Assommé, quelqu'un qui m'a assommé. Ouais, je l'ai vu. Bah comment ça, il était devant moi, comment il arrive à m'assommer? Il est mort, je l'ai eu. Ouais, nickel, GG les gars. Il y en a un, ouais. Ah nickel, bien joué. On va agrémer que c'est ça. Bah, je monte dans son vaisseau ou pas? Ouais, attends, j'ai pas réussi à faire monter l'ascenseur. Attends, je vais te dire. Ouais, ça veut pas non plus. Du coup, Tink, ça gêne pas si Roro il est créé une stat 3 et qu'on va dans une station? Ah, autrement, je veux. Suicide-toi. Ouais, ça marche. Bon, bah. Hop, donc le dépouille. Hop. Je peux pas monter l'ascenseur non plus. Pas du tout. Mais le vaisseau a disparu, il a décollé, ouais. Le chasseur Vandoul. Ah, tu as fait exploser? Ok. Ouais, bah. Bon, par contre, on n'arrive pas à faire remonter l'ascenseur. Et si je tire dessus, c'est. À ton avis? Attends. Je suis pas sûr. Hein. Vas-y, j'essaie. Tu peux. Tu es au courant, Roro, que t'avais ton multi-tool dans ton inventaire? Ouais, mais j'ai perdu le rayon tracteur. Ah, si, on peut là, non? Vas-y, je monte. Je monte dans l'ascenseur. Hein. Et moi, Tinks, comme je suis quand même stat 2, c'est fait un problème ou pas? Il est en train de monter le. Ah, t'as réussi? Ouais, j'ai réussi, j'ai tiré dessus et là, je suis en train de monter. Nice. Tu veux que je te dise qu'il est chargé ou pas? Ouais, faut voir. Ouais, je faut voir 22 km. Pas trop. Le cutlass, il est. Ah putain, j'ai recliqué et il redescend, ce bâtard. Vas-y, remonte là. Donc moi j'ai pas besoin de me suicider puisque je suis que Crime Stat 2, c'est ça? Attends, ouais. D'accord. Je crois que je remonte là. Hein? Pourquoi t'es redescendu? Ouais, bah sans faire exprès, j'ai sauté et j'ai appuyé sur...
qu'il met du temps en fait, et il fait ça en deux étapes quand il monte l'ascenseur. Ah ouais. Voilà, il s'arrête. Et là, il monte plus. Est-ce que je rappe? Ah non, c'est bon. Vite, barre-toi vite quand t'es en haut. Attends, je vais te dire s'il est chargé. Je peux vous couvrir en attendant. Ouais, c'est chargé à bloc, les gars. C'est chargé à bloc? Ok. Ouais. Je fais quoi? Je décolle avec ou pas? Ouais, décolle avec. Je vais rester là au cas où il y a d'autres gens qui arrivent. Je suis lock. Vas-y, attends, je te groupe, Oscar. Désolé. Au moins. Regarde. Tu rentres tout à l'heure, au pire. Je rentre dans le queue de classe. Je vais aller le faire péter, là. Déclencher l'autodestruction. Carlito, je t'envoie l'invite. Il reste quelqu'un pour me couvrir au moins ou... Ouais, ok. C'est encore toi ? Non, non, c'est... alors non, faut que j'attends que Joadou il décolle avant de faire exploser le vaisseau. Parce qu'on connaît les conneries. Il veut pas décoller le vaisseau. Il veut pas décoller. Il veut pas décoller le vaisseau, j'appuie sur l'espace. Il veut pas décoller. Allume les moteurs. Bah, c'est allumé les moteurs. Éteins les, rallumez. Hop. Ouais non, il bouge, il tremble, mais il veut pas décoller. Essaye d'avancer. J'essaye. Attends, ouvre les... Vas-y, attends. Ouvrir baie. Ouvre la baie, j'arrive. Je vais essayer, moi. Tac. Ouvrir. Ouvrir la soute, tiens, je t'ouvre la soute. Merci. Moi, j'arrive pas à le décoller, hein. Alors, hop. Tu peux fermer la soute, s'il te plaît. La soute, bah je l'ai ouvert la soute. Ouais, il faut la fermer maintenant. Ah ok, attends, parce que t'es descendu du... t'es descendu, je te la ferme. Hop. Ma plan. Pourquoi ça s'est baissé ça Tim... Teams, tu veux agrémer ce que vous faites? Non. Ah, ok, je croyais. Ah là, elle est fermée. Oui, c'est bon, je suis dedans. Hop, propriété privée. Hop. Bon, on est à l'heure, je retourne à rappel. Tinks, nous, une fois qu'on a vendu, on y retourne, on fait quoi, ouais. Ok. Il prend un chasseur pour couvrir, vu que je suis comme stat. C'est peut-être moi qui ai eu un bug. Ouais, je pense. Parce que j'ai appuyé sur espace pour le décoller et... Voilà. Bon, vas-y, hein, je m'assois à côté de toi et go. Vas-y, vas-y. Qui a le transporteur? C'est moi. C'est toi? Ouais. Okay. Quoi, vous avez rechopé un truc? Ouais, ouais, on a un constellation plein, là. Mais je vends cette cargaison et j'arrive. Vas-y. Je contrôle tout à l'heure, c'est pas grave. Il va rassaler des tuyaux sur la fuite. Pourquoi il... Ah mais parce que oui. Sans... Voilà. Sans le quantum, c'est dur. Non, 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 c'était pas le quantum, c'était les trains d'atterrissage. Il est en train de ralentir. Ouais. Vas-y, direction Everest pour One. Et du coup, moi, en soi, d'être Crime Stat 2, je m'en fous, ça me change rien. Donc t'es pas 3, c'est bon. C'est pas 3, mais... sur ta gueule et les joueurs peuvent avoir ta position. Après, tu peux t'en bâcler un. Okay. Même que CS3, tu restes sur rappel, y a des mecs qui vont venir quoi. Donc même si tu leur voles pas leur cargaison, ça fait du PVP. Ouais. Il me dit encore atmosphère là. La grâce vous couvre. C'est bizarre ça. Mais non, mais non, mais t'as mis ton truc d'interdiction, Oscar. La merde. Je vais faire le bouclier. Je dois regarder, je fais what, attends, j'arrive pas à décoller, y a une couille là. Ah voilà, là, c'est Gwenou. Excusez-moi, j'ai oublié.
Un dé qui peut piquer quand même. T'as Cruel 4 ou le 5 Cruel 5. Je suis pas Cruel concentré 5 du okay. tout. Ah putain, on se fait tirer dessus. Ah, y'a un Crypsat 3 chez vous. Mais non, il est plus. Non, c'était Roro, mais il est en prison. Ouais, non, pas encore. Ils sont en hyperespace. C'est soon, en tout cas, c'est bientôt. Ouais. Pourquoi j'ai pas la route? Je suis à Tissu à les lumières. Familion. Enfin, Il va falloir aller à Grimex parce que là. C'est un joueur ou c'est un. Non, non, c'est les tours. Il faut peut-être que je vire le corps, le cadavre de Roro. Oui. Ah merde, ouais, c'est peut-être ça. Attends, je vais descendre de mon siège. Nous, on part en panthéon, les gars. Est-ce qu'il y a une petite porte ouais. que je puisse. Mais on s'arrêtera avant pour pas être. Bon, là, ici, ouais. t'auras pas. Et si tu regardes bien, tu t'as une tourelle. Ouais, au-dessus. En haut et en bas, ouais, j'ai vu. Ouais. T'inquiète. Non, une 4000 de répartition. Ouf. Alors voilà, je sais pas qui me tire dessus. Attends, il faut que j'arrive à vous à te repérer. Alors, je te vois. Ah oui, il y a 3 km, ça y est, je vois. Mais tu te fais tirer par qui, là? Je sais pas réussi à voir encore. J'essaie d'éviter les balles. C'est des RMC hein, qu'on a piqué. Oui. Je lui dis merci. Repopom. Arrive à le voir. Ah, c'est le mec qui est dans le ouais, dans le Cutlass Black. Le ah, d'accord, c'est lui. Oh, fight. Hein. Parle. Il y a un tourelle. Il a explosé. Ouais, on me. Voilà, les surprises. C'est bon, je l'ai eu, je crois. Ouais, non, mais il craque, hein. Si, tu as traité de trou du cul. Ça fait vraiment mal aux oreilles. I am peace. Ouais, ça se trouve, ça fait deux fois qu'il vient avec son constellation, rien qu'on lui arrache le cul, quoi. Ah oui, tout à l'heure, ouais. Mais c'était le même? Je sais pas. La première fois, c'est pas la faute de Carlito, c'est notre faute. Ah. Bon, en vrai, il était pas con, mais hein, il était se mettre dans la tourelle du. Enfin, il est pas con. Il aurait peut-être dû attendre comme ça, mais. Il était se mettre dans la tourelle pour nous tirer dessus. Ouais, il a failli m'avoir, mais ça va. Les boucliers ont réussi. Oh, la tourelle du Cutlass Black. Ok.